Il ne voit pas loin.
Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur est sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Nous prenons 1 Timothée chapitre 5. On ne nous a pas mis l'heure à laquelle on doit terminer la prédication. Timothée chapitre 5, le verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention. Et de ne rien faire par parti pris ou par faveur. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture qu'on vient de faire. Nous allons incliner nos têtes et nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Dis au Seigneur de te parler d'être avec toi. Que le Seigneur puisse t'affermir par cette prédication. En entretemps, nous allons chanter un cantique de victoire. Prie le Seigneur de te parler, de t'affermir, de te purifier par la prédication. Adieu mes...
Thank you.
Il faut toujours te le dire tous les jours de ta vie. Et c'est bien l'opinion de la
Que tu as la foi pour sauver ton âme. Le Seigneur ne t'abandonnera même pas pendant une seule seconde. Avait dit que je serai avec toi jusqu'à la consommation du temps. On dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne les remporteront pas sur toi. On dit c'est cela l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'héritage de toi, serviteur ou servante de Dieu, c'est la victoire en toutes choses. Amen. Amen. C'est la victoire dans tous les combats de ta vie. C'est la victoire même sur les péchés. C'est la victoire dans ton parcours jusqu'à atteindre le royaume des cieux. Parce que c'est ce royaume-là que nous allons atteindre. Lorsque notre course sera achevée sur la terre, nous aurons achevé notre course et ici nous atteindrons le royaume des cieux. Un pays où il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de tourments. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'inquiétude. Un beau palais là-haut qui est libéré de tout souci. Mais nous l'atteindrons lorsque nous aurons achevé notre course. Bientôt ma tâche accomplie. Et j'entrerai là-bas au port. C'est la patrie où m'attend les grands vainqueurs de la mort. Non, les grands vainqueurs de la mort nous attendent là-bas. Et là-bas on va chanter lui qui nous a sauvés. Je verrai que tu aies cette foi là en toi. Parce que les temps sont vraiment difficiles sur la terre. Très difficile. Si tu observes avec tes yeux charnels, c'est pas comme si la promesse de Dieu est anéantie. La promesse de Dieu subsiste. Et toi, tu dois persévérer. Tu dois avoir la patience d'attendre le Seigneur Jésus. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine, en attendant le Seigneur. Vivre la vie de Dieu. Parce que c'est là qui entreront dans le royaume. C'est là qui en donnera les vêtements blancs comme le corps de gloire. Ce sont ceux-là qu'on trouvera aussi vêtus. Si tu n'es pas trouvé vêtu, tu n'entreras pas non plus dans le royaume. Et notre travail, c'est veiller à ce que tu sois vêtu. Et c'est de te donner même le vêtement en soi. Amen. Amen. Tu dois être trouvé vêtu par le Seigneur. Garde la promesse. Et que les hommes ne te séduisent pas. La parole que tu as, c'est la parole de la vérité. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira
dire. Mais c'est illuse de patience à ton égard. Il sait que tu as encore des faiblesses que tu dois abandonner. Mais profite-en. Profite-en, bien-aimé. Ce n'est pas que le Seigneur tarde de revenir. Mais il use de patience à ton égard. Ne sois pas parmi ceux-là qui seront surpris. On dit ne dormons pas comme dorment les autres. Il y a des gens qui dorment pendant que nous sommes là. Alors vous devez veiller sur votre voix. Afin que ce jour ne vienne pas vous surprendre. Le Seigneur Jésus-Christ vous donne la force. Et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la force. Il manifeste sa fidélité dans toute votre vie. Parce que vous ne vous êtes pas rassemblés ici comme tous les hommes. Mais vous vous êtes rassemblés ici pour la vie. C'est pourquoi nous disons toujours que notre assemblée est redoutable. Notre assemblée, elle est redoutable. Parce que les gens y viennent avec détermination d'être sauvés. Les gens ne viennent pas ici pour blaguer. Même quand ils dansent, ils dansent pour la vie éternelle. Quand ils chantent, ils chantent pour la vie éternelle. Toujours. Moins de gens s'appliquent à suivre l'enseignement.
Il n'y a pas de salut en dehors de la parole. Il n'y a pas d'enlèvement. Je disais les fois passées ici, les enfants n'entreront point dans le royaume. Je parle des enfants spirituels. Les gens qui n'ont pas le jugement dans les choses de Dieu. Les gens qui ne maîtrisent pas l'enseignement. Il doit devenir un homme fait. Même toi, ma soeur. Toi, notre maman. Tu dois devenir un homme fait. À la stature de Christ. Et à la stature. L'éternel à Christ. Si tu ne deviens pas ainsi, tu n'entreras pas dans le royaume. Cela se fait en écoutant l'enseignement. Applique-toi à écouter l'enseignement. Le Seigneur ne va épargner personne. Il doit trouver que la parole en toi est en abondance. Il doit trouver en toi la parole en abondance. Il est temps de suivre. Parfois, nous faisons des exhortations. Parce que nous te trouvons aussi très lourd. Alors on doit toujours répéter. Pour que tu saisisses. Parce que ça n'a pas non plus d'importance si nous prêchons que toi tu ne saisis rien. Amen. Alors on doit toujours faire le marche ou marche arrière. Pendant la semaine, on avait dit que nous sommes la maison de Dieu. On avait dit que la maison de Dieu, c'est nous. Nous, l'église du Seigneur. Et nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. Le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Parlait aussi de la maison que Zorobabel devrait bâtir. Amen. 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 On parlait de la maison que Zorobabel devrait bâtir. C'est lui qui avait commencé par mettre le fondement. Et c'est lui qui va poser aussi la pierre de fer, la pierre angulaire. Amen. Et la maison sera glorifiée à la fin. La maison obtiendra la louange de Dieu. On avait dit que cette maison, c'est nous, l'église. À l'église, on ne dort pas. Je vais commencer à te réveiller en citant ton nom. On avait dit que cette maison doit obtenir la louange. On avait vu que cette manière-là, ou ce langage-là, nous parle de la perfection. La maison qu'on bâtissait parvient à la perfection. On a achevé de la rébâtir. J'avais dit ceci. Cette maison-là, c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu aujourd'hui, elle est en train aussi d'être rébâtie.
kati. Non, rebâti. Donc, elle est en train d'être bâtie. Parce que l'église n'est jamais tombée. Amen. L'église, c'est le relèvement d'Adam qui était tombé. Et comme l'église a le Seigneur avec elle, le Seigneur avait dit qu'il sera avec l'église pendant tout le temps de son parcours. Alors l'église ne tombera jamais. Et l'église n'est jamais non plus tombée. L'église parviendra à la perfection par l'assistance du Saint-Esprit. Mais on avait dit ceci. Comme Salomon dit, pour chaque chose, pour toute œuvre, il y a un temps, il y a aussi un jugement sous le soleil. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Ecclésiaste, que je crois le chapitre 8. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît les temps et les jugements. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Quand les malheurs accablent l'homme, Amen. Amen. Ici, il montre que pour toutes choses, sous le soleil, il y a un temps, il y a un jugement. Il disait cela en prenant le Seigneur comme le roi lui-même. Il juge toute œuvre de fils des hommes sur la terre. Alors il dit, pour chaque chose, il y a un temps qu'on laisse que la chose puisse se faire. Et il y a aussi un temps où on vient juger cette chose-là si elle est conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, l'église du Seigneur aussi, on l'appelle l'œuvre du Seigneur. C'est aussi une œuvre. Ça veut dire qu'il y a un temps où on doit observer comment est-ce que ça se passe là-bas. Il est vrai qu'ils sont dans l'unité. Il est vrai qu'ils ont une seule langue. Ils ont les mêmes mots.
Bazalina maloba moko. Mais eux, kasi bango, en baptisant, a kotongaka, ils ont rejeté la pierre. Ils ont choisi la brique à la place de la pierre. Pour montrer que cet ouvrage-là n'était pas selon la volonté de Dieu. Parce que la pierre, quand Dieu créait, il n'avait pas créé la brique. La brique, c'était là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était la honte. C'était la honte. Dieu les a mis dans le trouble. Parce que pour chaque chose, il y a toujours un temps et un jugement. Comme l'Église aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur l'œuvre se passe aujourd'hui. Toutes les églises que vous voyez dans le monde, où le Seigneur lui-même viendra pour éprouver ce que les hommes ont fait. Alors, la maison qu'on trouvera bâtie non selon Dieu, va subir la confusion. On avait pris l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 3. Ici Paul parlait sur l'œuvre de Dieu. La manière de bâtir. J'ai lu 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10. Suivez-nous attentivement. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3 au bandit verset 10. On dit ceci. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ici, on parlait d'abord sur les prédicateurs. Parce que c'était le conflit dans l'église de Corinthe. D'autres disaient que nous sommes les fidèles de Paul. Nous sommes le verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Oh, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, du foin, na matiti, on dit l'œuvre de chacun sera manifestée. Cela veut dire que tu ne vas pas rester comme ça. Toi qui travailles dans l'œuvre de Dieu comme serviteur. C'est comme si tu travaillais dans le noir. Mais on dit l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc c'est au futur. Le verset 13. On dit, car les jours la fera connaître. Les jours dont on nous parle ici, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'avènement qui va confirmer que si l'œuvre a été bâtie selon le modèle, parce que l'avènement du Seigneur, c'est tout un jour.
molomo bimba. On dit parce qu'elle se révélera dans le feu. Wende yango ekole kande na moto. Comment tu voyais kotalisa e mosala wana soki eza ya Nzambe. Amen. Donc l'avènement du Seigneur vient comme un jugement, comme le feu. Pour éprouver tout ce que les hommes ont fait. Alors on dit, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Maintenant on dit ceci. Si l'œuvre bâtit sur... Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, quand le feu est venu, le feu a trouvé l'œuvre que tu as bâtie. Et le feu vient éprouver cette œuvre-là. Et la maison a subsisté. Cela veut dire. Cela veut dire quoi? Il recevra une récompense. Cela veut dire le prédicateur de cette église est là. Au jour de l'enlèvement, il sera sauvé, lui et le fidèle qui l'a prêché. Amen. Amen. C'est ça l'essence. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Amen. Amen. Il recevra une récompense. Quand l'enlèvement vient comme le jugement. Pour éprouver les œuvres des fils des hommes. L'œuvre qui ne sera pas bâtie selon les modèles. Ou l'œuvre qui sera bâtie selon les modèles. Les prédicateurs de cette œuvre-là et les fidèles, ils verront le Seigneur. C'est ça, il recevra une récompense. Cela veut dire les prédicateurs lui-même sont sauvés. Alors les fidèles aussi qui l'ont écouté seront sauvés. Ils sont fils de Dieu, ils
ils seront sauvés. Comme Paul le dit ici, on va se dire de manière générale. Pourquoi les apôtres ne jouaient pas avec l'église? Ils ne jouaient pas avec l'enseignement. Ils ne jouaient pas avec le peuple. Pourquoi Paul, il avait la liberté de blâmer Pierre. Lorsqu'il voyait qu'il s'égarait, il entraînait les gens. Je ne veux pas un ciel où te faire entrer, frère. Oh, si je cours pour entrer dans les cieux.
diriger. Amen. On dit celui qui observe la loi ne connaît pas les choses. Dieu amènera tout œuvre en jugement. Il ne laisse pas les choses inaperçues. Non. Tu es ici avec nous. Mais dans ton village, tu es chef coutumier. Tu as un fil là-bas autour des terrains. Tu es ici. Tu es sorcier. C'est toi qui as freiné la vie des gens dans ta famille. C'est toi qui as combattu l'église de Dieu. Je te dis, tu n'es pas plus fort que le Seigneur. Pour chaque chose, il y a un temps, il y a un jugement. Il y a aussi un jugement. Et pour ceux que nous faisons les pas, c'est pas comme ça. Non. Si tu es fils de Dieu, le Seigneur viendra te juger. Alors, là tu vas pleurer. Tu vas pleurer à chaudes larmes. C'est toi au travail. Tu es maître corrupteur. Si on veut corrompre les gens, on passe toujours par toi. Mais tu justifies cela dans les Congos, c'est la chose. Les haricots des enfants. Dieu aussi a dit dans le ciel, j'étais compris, c'est le Congo. Pour chaque chose, il y a un temps et il y a un jugement. Un jour tu seras dans la confusion. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que nous écoutions beaucoup la parole pour être comme lui. Où est-ce que nous sommes là? S'il y a seulement la volonté, la crainte de Dieu, on peut se retrouver même comme ça pendant les semaines. Amen. Amen. On peut se retrouver comme ça pendant les semaines. Ça s'appelle la justification de la conjecture de Kinshasa. S'il y a seulement la crainte, les ailes de la parole. Pour chaque chose, frère, il y a un temps, il y a un jugement. Là, c'était la récapitulation par rapport à la maison de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit aussi, tu dois prendre garde à la manière dont tu es bâti. Ça me fait très mal. Et ça, la gamme a pas. Voir des gens venir à l'église comme la nôtre. Ils n'oublient pas leur téléphone. Ils les amènent. Mais ils n'ont pas de Bible. Ils n'ont pas de bloc, non. Et c'est eux qui ne cherchent pas non plus l'enseignement. Vous allez voir des frères avec des téléphones coûteux. Mais en aucun jour ils n'enregistrent l'enseignement. Alors, un jour, vous allez voir les frères zélés pour servir Dieu. Nous qui servons le Seigneur. Nous qui servons. Nous sommes des vieux. Nous sommes des vieux. Pourquoi vous avez honte? Pourquoi l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de force. Mais vous avez honte. Les gens qui ont honte, ce sont les gens qui sont encore dans le monde. Tu es dans le monde. On a venu dans le monde. Selon 2 Pierre 1. Qu'est-ce qu'il y a? La corruption. La corruption qui est dans le monde. Tu dois être participant de la nature divine. Et Seigneur, il ne veut pas la
cette nature divine est là, vient par la puissance au moyen de la connaissance. Vient par la connaissance de Dieu. On dit comme sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'avais dit ici, la vie ici, ce n'est pas la vie sur terre d'abord. C'est la vie de Dieu. C'est pourquoi on dit la vie et la piété. Pour montrer qu'on voulait parler seulement de la même chose, de l'attachement à Dieu. Mais on dit que ça vient par la connaissance. La connaissance de Jésus-Christ. Lorsqu'on te prêche Jésus, tu étais païen. On te prêche Jésus. Donc, tu quittes le monde qui est corrompu. Tu quittes le monde où la corruption du monde. Tu deviens participant de la nature divine. Cela veut dire qu'on te prêche. On te donne la foi. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et de la parole de Christ. Donc la parole de Christ qui donne la foi à l'évangile. Et quand tu crois, cela veut dire que tu t'échappes de la corruption du monde. Donc toutes les vies mauvaises du monde rassemblées, toutes les mauvaises vies. On appelle ça corruption. Donc un cadavre pourri. C'est ce qu'on trouve dans le monde. Alors on croit à Jésus-Christ. On fuit cette corruption-là. Maintenant on dit ceci. Comme tu as la foi. J'avais dit ceci. La foi c'est comme un grain. C'est comme une semence. Manifester les sept choses là qu'on a citées. La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Ces sept choses là qui sont dans la foi. Parce que la foi est une semence parfaite. Ça grandit. Vous voyez comme les noyaux de la mangue. Vous voyez tous les arbres que vous voyez ici. Ce n'était que les noyaux. Ce n'était que les noyaux. On a semé et qui a donné un arbre. Et tous les fruits que vous mangez au cours de l'année. C'était seulement ces noyaux-là, peut-être on l'avait semé en 1930. Mais vous mangez beaucoup de fruits au cours des années. C'est ça aussi la foi. C'était une semence. C'est un grain. Mais il y a sept choses en elle. Elles ont dit ceci. Ces choses-là sont en vous. Si ces choses-là sont en vous. Et sont en abondance. Elles ne vous laisseront pas oisifs. Oisifs de paresseux. Stérile pour la connaissance de notre Seigneur. Ces choses-là, ce sont les œuvres de la foi. C'est ce qui fait que l'homme ne
ne sois pas vu comme stérile dans les choses de Dieu. On dit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tu connais Jésus, quand tu dis que je suis frère, je suis sœur, je suis pasteur, on doit voir ces sept choses-là en toi. C'est ce qui fait que l'homme ne soit pas stérile pour la connaissance de Jésus-Christ. Mais l'homme en qui ces choses-là ne sont pas, il est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. Cela veut dire ces choses-là. Si tu nous dis que tu as la foi, tu connais Dieu, mais tu ne les as pas, tu nous mens. Tu n'as pas la vertu. Tu nous mens. Tu n'as pas non plus la foi. Parce que la foi, c'est un grain qui doit produire. Et tu es aussi aveugle. Cela veut dire que ces sept choses-là sont les sept esprits de Dieu dans l'homme. Sont les sept yeux de Dieu dans l'homme. Ça permet à l'homme de voir les chemins où il marche, de bien voir Dieu. On ne parle pas seulement de la connaissance là-bas. On parle même de la tempérance. Pour tout le monde, et quoi qu'il a qui m'a acheté.
C'est un piège qu'on te tend. Mais à ce piège-là, on se chauffe seulement si on a la tempérance. Amen. Si tu n'as pas la tempérance, tu ne vas pas voir ce piège-là. C'est pourquoi on a des fidèles, des grands disputeurs. Une maman qui va au marché, notre fidèle, mais on la connaît déjà, elle dispute beaucoup avec les païens. Et la connaissance de la vérité.
boyebi ya mosolo qui est selon la piété oyo elandisa mi na kokanga mana makambo ya solo lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle yango de bandi na kat na elika ya pomme na seko c'est ça yango de la parole que les apôtres prêchaient oyo maloba batoma na ko te il veut toujours qu'est-ce qu'il y a la piété dans ce que je vais dire et que baba na ko sainte le seigneur na makambo ya kokanga ya malama na ko ça va avancer les gens ce que je vais dire dans les choses de Dieu dans la connaissance, dans la crainte de Dieu, mais il veille toujours à ça. On dit, mais les tout, ça repose sur l'espérance de la vie éternelle. C'est ça les bornes même qu'on nous a mises. J'avais dit que si ces choses-là ne sont pas en toi, tu es aveugle. Tu es aussi dans les péchés. Quand tu nous dis que tu as la foi, tu nous mens. Parce que nous, on ne voit pas ça. Tu n'as pas la vertu. On a commencé avec la vertu. Non, on a commencé là-bas avec la vertu. Amen. Vous allez voir que la foi était déjà. On a dit qu'on n'a pas dit ajouter à ceci la foi. Non. Non, la foi c'est le socle, c'est le fondement même. La pierre. Maintenant on va graver ce qui doit y être gravé. Maintenant on doit graver toutes ces choses-là. Par exemple, dans la foi de notre sœur. On grave la vertu. On grave ces choses-là. Alors là, je dis, j'ôterai l'iniquité de ce peuple à ce jour. Toutes ces choses-là sont en toi. C'est là où tu vois que tu es passé par l'expiation du péché. C'est ce que Zacharie dit. C'est ce que Pierre aussi a repris. Et pour s'en échapper, tu dois manifester ces choses-là par la foi. J'avais parlé de la corruption la fois passée. Le monde c'est aussi comme un champ. Le monde c'est aussi comme un champ. Dans la parabole de Jésus-Christ et dans Matthieu 13. Matthieu 13. Il parle du monde comme les champs. Ce qui est au cours de la semaine, on a fait expliquer ça. Le monde comme un champ. Amen. Amen. Dans le monde, qui est le champ, on avait d'abord semé le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on les a semés dans le monde. Prophétiquement, le premier Fils de Dieu, c'est Adam. Parce que Jésus, quand il donnait les paraboles, il a dit, je parle en parabole parce qu'il est écrit dans Psaume 72. Il est écrit, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Publier les choses cachées depuis la création du monde. Amen. Donc quand Jésus donnait les paraboles pour les analyser, tu dois commencer à lire à partir de Genèse et Exode. Il peut parler des choses, tu penses que c'est de ces temps-là, c'est pas de ces temps-là. Si quelqu'un a une brebis et qu'elle vient à tomber dans les puits, ne la retirera pas parce que c'est le jour de sabbat. Vous pensez il parlait de la situation pendant son temps? C'est pas la bonne, frère. Tu vas retourner là-bas la création.
création. Là-bas au commencement, il y avait une brebis qui était tombée dans la pluie. La brebis tombée dans la pluie, c'était Adam lui-même. Maintenant, les propriétaires de la brebis devaient venir les retirer ou la retirer dans le puits. C'est pourquoi Dieu est venu lui-même dans la chair. Et il a fait par Jésus-Christ pour accomplir ça. Et il y a donc cette parabole. C'est pourquoi la parabole des livrets du champ. Le Fils de Dieu qui était semé, j'ai dit que c'est Adam. On n'avait pas encore semé les livrets. On avait commencé d'abord par semer les blés. C'est-à-dire Adam. Les premiers à venir sur la terre, il était fils de Dieu. Révoltez seulement Luc chapitre 3. On dit Adam fils de Dieu. Et même la lignée des enfants d'Adam, hormis Caïn là-bas, on a vu qu'on a appelé ça la lignée de fils de Dieu. C'était eux qui étaient semés avant. Mais quand la nuit est venue, les gens ont dormi. L'ennemi aussi est venu. Il a semé l'ivraie. J'avais dit la nuit, c'est la chute de l'homme. C'est l'entrée de la mort dans le monde. Parce que la mort, c'est les ténèbres. Dans Amen. 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 Maintenant on dit ceci. C'est quoi Balobi Boy? Jézabel. 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 C'est là comme à cause de le fumier dans les champs de Israël. À cause de la locola biloko pola pona koko lisa biloko na mabele. Non non. Poutoulou. Hein? Donc il y a les cadavres. Et ça lit les bébés. Maintenant les cadavres quand ça pourrit. Dans le bendo on a épolé. On a dit que ça sert aussi de fumier. Et Jézabel, lorsque la vengeance de Dieu était arrivée sur la maison d'Akan, on a dit, on devait faire à la maison d'Akan comme ils avaient fait aussi à Naboth. Akab avait tué Naboth et ses fils. Vous avez déjà dit ça? Akab a bombardé Naboth, on en a tué Naboth. Encore on a tué Naboth. C'était pas seulement Naboth seul. C'était Naboth et sa famille. Ah, tu vas lire ça. Je sais que tu as plus l'habitude de parler de Naboth seul. Je t'ajoute aussi ça dans 2 Rois chapitre 9. On parle là-bas de Naboth et ses fils. Lorsque la vengeance est venue, on a tué Jézabel. On a dit qu'on doit l'enterrer. Lorsqu'on est allé l'enterrer, on a trouvé qu'il n'y avait que le crâne. Voilà, le crâne. C'est important. On a trouvé aussi les paumes de main. Et on a trouvé aussi les pieds seulement. Il n'y avait pas moyen de l'enterrer. Ils sont rentrés pour dire, l'Éternel l'avait dit. Yahweh alobaki par la bouche d'Élie que les cadavres de Jézabel sera comme du fumier dans les champs. Et Kozala, loko la fumier na katnela. Dans les champs de Israël. Le fumier, c'est quelque chose qui a pourri aussi. Et qui a subi la corruption. Mais dans le fumier qui est Jézabel, on a trouvé le crâne. Donc Jézabel, cela veut dire sa manière d'agir. Sa pensée. Ses ruses. Hein? C'est ruse.
dans le royaume d'Israël pendant ce temps-là. On dit, il y a une lettre qui vient de la maison du roi. Et cette lettre est signée par Akab. Tu lis la lettre, tu vois vraiment, on a donné l'ordre, et puis tu veux vérifier le sceau. Tu vois vraiment que c'est le sceau d'Akab. Alors que c'est Jézabel. Mais pour voir que c'est Jézabel, il faut être un prophète. Il faut être Élie. Quand on a tué Naboth, on a compris. Élie a compris que ce n'était pas Akab. C'était Jézabel. Amen. Parce qu'il avait l'esprit de la prophétie. La prophétie, c'est la science de tout le mystère. Ça permet de voir là où les gens ne voient pas. On en parlera dans les dons spirituels. La science de tous les mystères. C'est pourquoi nous refusons les prophètes qui tâtonnent. Dans mon songe, j'ai eu un sac de braise. Et après, j'ai mis la chaise rouge. C'est même ça que l'on a mis la chaise rouge. Directement, j'ai vu quand j'ai regardé, ça devient la chaîne. La chaîne. Et directement, j'ai vu le frère Jonas. Et la chaîne n'était plus. Et ça qui est marqué là, qui tient rouge, et tout melo, et puis moutou, et l'ingi koloba, ni. Sans précision. Élie avait l'esprit de la prophétie. Ça permettait de voir même ce que les gens ne voyaient pas. Sa manière de réfléchir. Ses œuvres. Sa conduite. C'est pour ça le fumier qui chante. C'est comme la corruption. Donc la manière de vivre du monde. C'est ce qui fait croître les semences qui sont dans les champs qui est le monde. C'est pourquoi vous allez voir les gens aujourd'hui. Ils sont terrisés. Les gens sont dans les mauvaises œuvres. Les gens sont dans des complots. Les uns contre les autres. Ne nous entonnez pas de cantiques qui ne va pas avec l'enseignement. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas le remercier pour la parole de ce matin. On va
pour chanter je suis du nombre. Des gens qui sont vêtus de blanc. Les gens qui sont participants de la nature divine. Les gens qui ont fui la corruption qui est dans le monde. Remercie le Seigneur pour la parole de ce matin. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Je suis du nombre. Je suis du nombre. Sambela,
Je suis du nombre. Oh Dieu. Je suis du nombre. De ceux qui sont vêtus Je suis du nombre.